les amis, nouvelle vidéo. Yo Juju, ça va? Ça va et toi? Tranquille. Donc là, qu'est-ce que tu nous présentes du coup? Donc un pool pack de, on va dire, petites cartes Tortue Ninja. Donc elles sont... Pourquoi petites? Plus petites que des cartes Tortue Ninja. Enfin des cartes normales quoi. Elles sont plus petites quoi. Ah ouais, effectivement, c'est vrai. Et elles ont des... C'est un format bizarre quand même. Hein. Très étrange. Et elles ont des petits encarts étranges sur les côtés, je sais pas à quoi ça sert. Ça me fait penser un petit peu... Montre les encarts. Ouais, ça me fait penser un petit peu à des cartes téléphoniques, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Derrière avec un magnifique shredder. Yes. Ok. Donc là, on est vraiment sur du pool pack classique, hein. C'est à 30 plus 3 plus 1. C'est écrit? Ouais, ouais. Ah, bon, pas la peine de compter, alors. Hop. Donc ça, c'est des ficelles normales violettes. Voilà, violettes, hein. Ça, on les connaît. On les connaît, par contre, si elles sont... La prisme, elles là, ont elle l'air vraiment très sympa. Elles ont l'air un peu brûlées, donc... Est-ce que tu peux me dire le nom du personnage, le méchant, là? Parce que je le connais pas. Lui, c'est celui qui a dans le ventre. C'est celui qui a Krang dans le ventre. Ouais, qui est un peu con, là, qui est... Non, mais c'est un robot, en fait, je crois. D'accord. Ou je sais pas, enfin, ça dépend des versions. C'est son serviteur, quoi. En gros, lui, voilà. C'est les muscles, et Krang, c'est la tête, quoi. C'est ça. Ah, vraiment, Krang, c'est un cerveau. Oui. Pas beau, d'ailleurs. Ça se finit comment, d'ailleurs, les Tortues Ninja? Bah, tu sais que... Que... Non, tu sais que lundi soir, c'est exactement la question que m'a posée Jean-Phi85. C'est vrai, et qu'est-ce que tu lui as répondu à Jean-Phi85? Bah, il m'a dit, est-ce que t'as déjà vu le dernier épisode des Tortues Ninja? Mais il n'y a pas? Bah si, il y en a un, parce qu'à partir du moment où il y a un nombre d'épisodes, il y a quand même le dernier. Après le dernier, peut-être qu'il finit pas l'histoire, mais et c'est... Alors bah je lui ai dit non. Et il me dit, ah, j'aimerais bien le voir pour savoir ce qui se passe après. Enfin, ce qui se passe à la fin, comment ça finit, bah... En gros, c'est eux les grands méchants ou pas? C'est Krang? Oui, enfin, non, bah, tu sais, c'est humour, donc les grands méchants, ils sont pas si grands que ça, et puis ils reviennent à chaque fois. Bah, ça dépend des versions, parce que les versions un peu plus dark, Shredder est le grand méchant, mais vraiment hyper méchant de ouf, et dans les versions plus fun, c'est Krang, bah, c'est là, dans cet anime-là, c'est Krang le méchant, et Shredder, il est un peu maladroit, quoi. Ok, c'est un peu le serviteur, Shredder. Voilà, c'est ça. Ok, donc, allez. Ouais. Donc les sachets. Alors, toucher nique ta mère. Est-ce que les... Oh, ça va peut-être être... C'est un peu plus difficile là, tu penses? Regarde, c'est rigolo, il y a un petit tortue là. Où ça? Là. Ah ouais, petit logo sympa. Bon, alors, je vais essayer de toucher nique ta mère, mais avec ce format, je suis pas sûr. Normalement, il doit y en avoir deux. Alors, deux, c'est pas assez, franchement. Ouais, bah, je sais. Mais en tout cas, donc pour la petite histoire... Surtout que t'en as une déjà de base. Ce visuel... Est-ce que tu peux nous la montrer d'ailleurs? Ce visuel, je l'ai déjà dans cette série. Voilà. Donc c'est la seule carte que tu avais. C'est la seule carte que j'avais de cette série. Et en fait, c'est quoi? C'est en fait, il se brûle parce qu'elle est trop épicée, c'est ça? Oui, c'est ça. Et genre, il mange une pizza trop chaude, ah, bah, je sais pas quoi. C'est sain de manger une pizza épicée, hein. Et... Il y a que les hindous qui peuvent manger ça. Ouais, c'est vrai. Et donc cette carte que je vous ai montrée... Je suis en train de te déconcentrer en même temps. Je l'avais eue chez notre ami Gérard. Feu Gérard. Il y a 5 ans et demi, je l'ai trouvée dans son bordel et j'ai putain une carte japonaise Tortue Ninja, j'ai pété un plomb. Instantanément. Mais j'ai insta-pris, surtout que Gérard, les trucs qu'il connaissait pas, tu sais, la moitié des trucs dans sa boutique, ouais, il connaissait vas-y, pas. Quoi. Vas-y, 20 centimes, c'est ouais, pas ce que c'est t'as donné. Ça, quoi. Donc... Ah putain. Donc là déjà, tu penses que celle-là, c'est une prisme? Ouais, a priori. Mmh. Par contre, oh là, c'est... Ouais, les trous, là, du coup, c'est déjà... Ouais. Ça les a collés. On se rapproche de la fin, juste, on a qu'une, toujours. Mmh. Je te mets pas la pression, mais bon, voilà. Ah, celle-là, c'est une règle. C'est des règles. Bon, là, j'ai plus mon toucher. Alors, là, c'est embêtant, ça. Là, j'ai plus mon toucher. Attends, je vais voir. T'as perdu ton swing? Ah, pourtant, c'est un peu souple. Faut voir. Ah, putain, un truc qui s'arrache. Mais peut-être qu'un deuxième passage, ça sera... Ah ouais, c'est obligé, là. C'est obligé, le deuxième passage. Donc, putain, mais le truc, ça s'arrache, quoi, bah, vraiment. C'est surtout que, bah, au moins, ça prouve bien que ça n'a jamais été ouvert, quoi. Ça n'a pas été rafistolé. Ah non, ça c'est du full set de neuf de qui arrache les sachets. Et tu l'as payé combien ce hyper joli pull pack? 2400 yens je crois. T'étais en concurrence avec quelqu'un dessus ou pas? Oh non, sur tout ce que j'ai acheté, j'ai eu aucune concurrence. C'est donc, en ça, achat immédiat du coup, c'est ça? Non, c'est vraiment des enchères, aucune concurrence, donc c'est cool d'acheter les trucs que personne ne veut.
Attends, celle-là, elle est prise. C'est pas que personne ne veut, c'est que les gens ne savent pas, en fait. Ouais, s'ils connaissent pas les trucs cool. Franchement. T'es emmerdé, là. Alors là, c'est... Ouais. J'aime bien quand t'es emmerdé. Là, c'est un format... Ça rajoute un peu de suspense. Un format que je ne maîtrise pas, donc du coup, c'est... C'est autre chose, c'est autre chose. Ça, pour moi, c'est règle. Ouais. Oh, ça, ça peut être prisme, ça. Mmh. Ça, c'est règle. Ça, c'est règle. Ça, c'est règle. Pareil. Pour moi, il y a une prise. Pour l'instant, c'est celle-là. Okay. Bah, attends, après, je sais pas le reste. Je vais vérifier, mais... Vas-y. Règle. Regarde avec celle-là, regarde avec celle-là. Et celle-là, celle-là elle m'a l'air rigide. Hein. Ouais, je sais pas. Attention, là, on a un titre à défendre, Juju. Ouais, non, là, ça va être perdu, là. Allez, j'entends tu deux au hasard. Si ouais, j'entends allez, deux au hasard. Greg. Non, mon Greg, ok. Tu peux nous la montrer? Oh putain, touche, elle est en relief. Elle est en relief. On dirait un effet semi-holo, mais non, en fait. Non, elle est en relief. Elle est en relief. Et en fait, voilà, c'est le truc un peu chiant, c'est qu'elles sont vraiment rigides, effectivement. Et il y a ce sort de petit effet un peu carte téléphonique, là. Mmh. Elles sont très sympas. Donc, le recto et le verso. Attends, mais je doute, là. Vas-y. Tu m'as dit 30 plus 2 plus 1, mais en fait, c'est 30 plus 1. 30 plus 3 plus 1, non normalement. 30 plus 1 ? C'est juste 30 plus 1. En fait, il n'y a qu'une seule prise, peut-être. C'est pour ça que 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, je comprends rien. 32 plus, non. Plus 3. Ouais, je sais 33. Pas, je sais pas. Non, c'est, 30 plus 3, ouais, je sais pas. C'est vraiment un madame. Peut-être que je... Non, c'est Takara. Peut-être que j'ai mal calculé. Bon, donc, bah, on a perdu notre toucher. Ouais, alors là, c'est... On a pas vu le swing. C'est qui, là? C'est les mecs du foot. C'est le clan du foot. Yes. Ok. Parce qu'au moins, on avait peut-être une prisme dans le... Oh putain, ils sont... Dans les cartes. Alors, le toucher est vraiment étrange, mais les visuels, ils sont super. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils diffèrent des autres cartes. C'est super beau. Donc, ça, c'est... C'est laquelle, celle-là? Oh, bah tiens, ça, c'est... ça fait pas penser à un visuel un peu... Ah putain, Morinaga, ça, un peu Yu-Yu, tu vois. Un peu les doubles couleurs. Tout à fait. Bon, par contre, il y a des doubles. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un nombre incroyable de règles donc, dans la série, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre des doubles. Ouais, il y a zéro règles, il y a zéro prisme, c'est pas possible. Jolie celle-là aussi, dis donc. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est fait niquer, parce qu'il n'y a pas de prisme. Ah, voilà, tes copines. Tu peux montrer le dos de deux cartes, s'il te plaît? Yes, dis-moi lesquelles tu veux. Bah, n'importe les deux, là, parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes, en fait, les dos. Si j'arrive à les retourner, bien sûr. Les dos sont les mêmes, en fait, ouais, sauf mais c'est que... pas le même texte. C'est pas le même texte, en fait. Non, c'est pas les mêmes dos. Je te dis des conneries. On dit des conneries, oulala, on est... C'est on... pas le même dos. Je pensais que c'était le même dos, mais non, on en fait. On est un peu aveugle, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est un quiz, en fait. C'est les cartes. Les questions. C'est les cartes quiz avec des questions et t'as des choix multiples. Donc QCM. Donc voilà. Donc les dos reprennent les quatre tortues quoi. Yes. Donc ça, on l'a déjà. Attends, je vais faire des tas. Vas-y. Je vais faire des tas, comme ça au moins ce sera clair. Vas-y, j'arrive à les attraper. C'est à son champ d'attraper. Elles ont l'air difficiles à attraper, ouais. Hop, pour voir combien il y a de cartes en tout. Enfin, au maximum de la série. Donc c'est là. Elle est en triple. Attends, en triple, t'es sérieux là? Dans un même pool pack. Voilà, ça c'est abusé. Non, mais il doit y avoir 20... 4. Ah non. Tu sais, ça fait penser aux cartes Natuto là. Ah oui, Natuto. Non. Mais limite. Il va pas y avoir beaucoup de règles, j'ai l'impression. Limite, il y a que 6 règles dans la série quoi. Oh non. Oh non. Blague. Oh les enfoirés. Ah non. Oh là là. Ah, celle-là, tu l'as 4 fois, tu pourras la donner à tout le monde quoi. Oh, c'est dans le 5.
Putain, mais c'est le pull pack que j'ai acheté le plus cher. C'est le pull pack maudit, quoi. Oh, mais... et moi qui disais qu'il avait jamais été recomposé, là, je me pose des questions. Non, il a jamais été. C'est chaud, là, c'est vraiment putain. Chaud, quand même. Tu dois avoir, non, mais tu sais quoi? Ça doit être, comme les bons presto, Yu-Yu, tu dois avoir 12 règles, en fait. Bon. Vas-y. Ah, merde. Oh, le clan des foot, ils t'en veulent, quoi. Oh, on n'a pas le toucher ni ta mère, là. C'est vrai? Oh, putain, touche, mais elle est étrange. Ah ouais, complètement. Alors, regarde, en fait, pour vous expliquer un petit peu, en fait, la carte, on a l'impression qu'elle est granuleuse, en fait, sur alors, le regarde celle sur que j'avais déjà, elle a pas ça, quoi. Bah, elle a peut-être pas ça parce qu'elle l'a... Ah ouais, dis donc, c'est pas... Ça a rien à voir. Bah, en fait, elle l'a perdu entre le temps, quoi. Peut-être, ouais. Bon, elle l'a perdu. Mais en fait, ça, c'est en fait, on dirait un toucher granuleux. C'est-à-dire que sur les effets prismes, en fait, ah, c'est granuleux. Putain, c'est la même que celle-là. Putain. Ah ouais, mais c'est chaud, quoi. Ah, c'est chaud. Ah non. Oh, les enfants. Enfin, au moins, j'aurais pas à la décrocher, celle de devant. C'est vrai. Oh, les enflures. Putain. Ah non, mais t'es sérieux? En fait, il existe... En fait, il y a 12 règles et 2 prismes dans la collection. Non, mais regarde, ça, les cartes vont jusqu'à 19, donc... c'est relou, quoi. Ah, ah. Oh, ça soulage, ça soulage. Une de plus. Ouais, ouais. Sauf que la prochaine... Oh yes, voilà, bon, on va... Ouais, on va. J'allais dire, on va retourner dans un truc un peu normal de pull pack. Oh, Shredder. Bon, les cartes sont magnifiques, mais bon. Ouais, là, ils ont c'est chié. C'est pas grave, c'est... En fait, t'es tombé sur le pull pack maudit, quoi. Je pense pas. Je pense qu'ils doivent tous être comme ça, mais... c'est pas grave, c'est marrant, ça fait l'aventure, c'est... C'est la petite particularité, ce serait un grand souvenir. En fait, tu dois avoir 5 fois la même, en fait. Enfin, plus que ça, maintenant. Oh, un Razor. Ah, oh, tu l'avais pas, celle-là. Attends, en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 règles différentes. Pour l'instant. Oh. Oui, pour l'instant, on va tu vois, je pense que tu dois avoir 12 règles, un truc comme ça, ou 13. Non. Bah, déjà, compte le nombre de règles, là. Enfin, au niveau des numéros, et regarde si les prismes correspondent après. Ouais, bah si tu veux. Si elles sont devant ou derrière, donc ça c'est la numéro combien. Donc ça, en fait, celle-là c'était la règle rare. Pardon. Ça c'est la règle rare, celle-là. Et c'est la blanche aussi. Tu l'avais qu'en une fois. Et celle-là aussi. Ouais. Oh là là, que d'aventure. Et allez, donc tu payes ça 2401 pour avoir 10 cartes. Non, mais elles les valent. Je regarde si tout est dans le bon sens derrière. En fait, les numéros, c'est au niveau des questions, non, regarde. Non, non, il y a un petit rond numéro, là. Donc, 5, 4, 2, 9, 17, 14, 16, 19. Et les prismes? Oh, mon Dieu. 24 et 23. Oh putain. C'est une horreur, cette histoire. Par contre? Donc, en gros, il doit y avoir 24 cartes, en gros. Oui, sauf que regarde. Donc c'est pas la même en fait, c'est une réédition peut-être. Non, ça doit être une autre série en fait, une regarde, deuxième, c'est quoi une deuxième partie. L'année 94 aussi, mais le dos n'a rien à voir. Ouais, tu sais, ça fait penser un petit peu au Morinaga Yu, tu vois. Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc, c'est pas du tout la même. Donc en fait, en gros, c'est normal que tu n'aies pas le même toucher sur les deux cartes, parce qu'en fait, c'est pas la même série, enfin, c'est pas la même collection. Bref. Peut-être, peut-être une réédition, par je contre, sais pas. L'effet prisme est le même, l'effet triangle. Par contre, il n'y a pas cette espèce de toucher granulé que tu as sur... Non. Oh là là, mon Dieu, quoi. Écoute, ouais. Attends, juste pour plaisir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Et puis on va dire que ça là faisait partie du truc aussi, histoire de me rassurer un peu. Allez, 11. 11. Hop, et c'est magnifique. On en septembre. Tout concorde au niveau des encarts, ou je sais pas comment on appelle ça. Il faudrait nous expliquer pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs. Bah, écoute, je vais les appeler demain pour savoir. Très bien. Voilà, okay, un petit mot de la fin, Bob. Bah, il y a plein de doubles, hein, pour les gens qui veulent des doubles, hein. Ah ouais. Ou alors, sinon, tu te refais le pull pack, je sais pas. Presque, j'ai envie de te dire, limite, tu les scans et tu les remets dans le pull pack et tu les ranges, quoi. Au moins, pas, au pire. Parce que là, franchement, ça sert à rien de les mettre en classeur, j'ai envie de ouais, t'as raison, je vais me faire un pull pack. Non, mais au pire, tu les scans non, et tu les mets en pull pack. Franchement, je peux faire un pull pack avec des sachets vides. Et des sachets pleins, franchement. Okay. Ça se remet comme ça. En plus, celle de devant, je l'ai en double. Donc, okay. Ça roule. Bah, Juju, merci beaucoup. Bah, merci. C'était très rigolo, on a bien rigolé. Ouais, c'était une bonne aventure. Allez, ciao. Bah, allez, à salut. Plus.